Histoire de sentier vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Yamaha, et par Choco. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de sentier. Aujourd'hui, on est au Grand Salon Motoneige Quad. C'est malade. C'est la première édition, ça va être fou. Et pour la première édition de ce Grand Salon, j'interview un pilote d'hélicoptère. Donc, vous, vous chauffez un hélicoptère, monsieur? Un hélicoptère, oui, un hélicoptère. Et c'est quoi comme moteur dans l'hélicoptère? C'est un moteur qui tourne, celui-là, c'est comme un rotatif. Merci. Ça me fait plaisir, Philippe. Merci, Ken. Comment qu'on sent le premier salon? Comment tu te sens? Hey, me sens bien, première des choses, c'est... Je suis assez épaté, hein. Tu sais que ça fait quand même une vingtaine d'années que, que ça existe, ce salon-là. Puis avec tout l'engouement qu'on lui a donné, le travail qu'on a fait autour, le travail qu'on a fait avec les manufacturiers, bien, le succès est là. J'ai parlé au pilote, puis il m'a dit bon, mon livre jusqu'à Montréal pour revenir. C'est ça, être big. OK, fait que là, je vous amène faire le tour du salon. Venez-vous-en, c'est une visite guidée de moi-même. Alors ici, on a des gars avec des cheveux de même. Faut faire attention, ça, les boys. Il y en a un qui a comme juste une vague. Bonjour, mademoiselle. Bon, évidemment, on rentre chez CF Moto. Fait que je pense que Honda est là, Bombardier est là, CF Moto est là, Yamaha est là, évidemment, Arctic 4 sont là. Polaris sont toutes ici cette année pour ce grand salon qui est ouvert et qui est extraordinaire. C'est la première fois. Et quand même, la capitale a vu juste dans plein d'affaires de fun. Ils ont mis des tapis. C'est malade, regarde. Donc, évidemment, toutes les régions du Québec sont représentées. Charlevoix, les Mont-Valin, Mont-Laurier, tout ça, tout est représenté. Et oh, notre gang, nos amis de Choco sont là. Regarde, c'est mes amis de Choco. C'est Philippe. Salut, Philippe! Et puis, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Qu'est-ce que je fais de bon? Il fait tellement froid ici que j'ai sorti mon manteau préféré. Évidemment. Fait que... oh, et puis, j'ai même un petit cadeau pour toi. Non, pas encore! Mais oui. Ça, c'est des cadeaux, j'aime ça. C'est, je sais que t'aimes ça, des cadeaux. Mais c'est quoi? Mais viens, c'est moi. Oh! Ben voyons donc! Oh, mon Dieu! Ah! Juste pour toi. Avec votre logo puis notre logo! Alors, félicitations pour votre 25e anniversaire. Ça fait 25 ans que vous tournez. Ouh! Vous êtes des fidèles collaborateurs avec nous. Fait que, bon, on est vraiment contents. Fait que, joyeux Noël d'avance. Hey, merci beaucoup, man. C'est vraiment cool. Quand même. Oh, non! T'es carré, tu sais. Bon, évidemment, qui dit salon de motoneige, salon de quad, dit remorque. Et les remorques ont beaucoup évolué. On s'attend qu'avant, c'était des remorques qui n'étaient pas fermées, pas ouvertes. Aujourd'hui, là, les remorques, c'est malade. On peut rentrer par en arrière dans une remorque, s'en aller dans la remorque, et on peut sortir par en avant. Oh! Comme ça. Ils ont fait des portes partout. Plein de modèles différents avec des roues, pas des breaks. On peut rentrer dans la remorque, ressortir de l'autre côté. C'est malade, c'est comme la magie de la remorque. Ouh, je t'étourdis. Philippe, cette année, on s'attend à quoi de Choco? Là? Il y a plein d'affaires de fun, mais là, j'ai vu des affaires. J'aimerais ça que tu montres ça. Là. Oui, oui, vraiment. Orange, je sais que ça fait bizarre sur un écran ici, mais c'est une semelle, mais une semelle chauffante. Oh. J'ai même une télécommande pour toi. C'est vrai? Oui, oui. Donc, Il y a trois niveaux dessus. Il y a chaud, pas trop chaud, puis chaud. Oui, oui, effectivement. Mais il y a trois positions, 4 heures d'autonomie. Je pense que ça va faire des beaux cadeaux, puis je pense que ça va faire fureur cette année. Aucune installation, pas de fil et tout. Tu mets ça direct? Oui. Madame va être contente? Oui, oui, va être contente. Puis c'est vraiment, tu peux ajuster la grandeur. Donc, on voit ici à l'extérieur. Ah, OK, excellent. C'est super, c'est bon. Ça. C'est bon, excellent.
Je vais juste la mettre dans mes poches pour voir si ça marche. Ici, j'ai vu aussi des gants. Check ça. C'est tes gants. Même toi, chose, des gants chauffants. Batterie lithium. Très facile à recharger. 4 heures d'autonomie, encore une fois. Puis c'est vraiment facile d'accès, là. Donc, le piton, il est ici pour le on-off, évidemment, high-low. Vraiment facile. Tu as les éléments chauffants sur le dessus, à l'intérieur. Oh, ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Ah, c'était écœurant, ça. Wow. Et là, j'ai vu que tu avais aussi des pantalons là-bas. Même montrer ça. Donc, les pantalons, c'est quoi? C'est notre nouveau modèle. C'est pas un modèle qui remplace quelque chose qui existait avant. C'est un modèle qui est un hybride entre un pantalon racing hors-piste et nos modèles plus traditionnels touring. Donc, bien isolé, mais plus une isolation plus compacte, plus flexible. Donc, pour les gens qui veulent avoir quelque chose qui est vraiment plus... qui donne plus de mobilité, en fait. Je vais vous montrer. OK. Donc, extensible, Alain. Extensible. Oh, wow. Les jambes aussi sont beaucoup plus élargies pour les bottes et tout ça. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant. Ah, c'est excellent. C'est super cool. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire ça puis de nous montrer les affaires. Et le sac, là, ça aussi, c'est quoi? Hein? C'est un nouveau sac? C'est un nouveau sac qui va sur beaucoup de modèles. Donc, certains Yamaha, certains Arctic 4, le Renegade aussi. C'est vraiment... c'est bon, ça. C'est vraiment un sac qui passe partout. Hey, sérieux, c'est un plaisir de te rencontrer à chaque fois. Bye, Phil. Bye. Chaque année, on aime bien ça quand on a vos photos, qu'on peut partager vos moments inédits, spéciaux en motoneige. Puis on vous remercie d'ailleurs parce que quand on a fait l'annonce sur notre page Facebook, on a eu à peu près 200 photos. On peut pas toutes les monter malheureusement, mais on est là. Et aujourd'hui, c'est Vapor Trail Prinot qui nous envoie une photo de lui. Bon, en fait, on s'entend que Vapor Trail Prinot, c'est pas son nom. Hein? Mettons qu'on va l'appeler Fred. Bon, Fred, il nous montre qu'il est en train de faire un wally avec un summit. Ben... on sait très bien que Fred, il y a un genre de motoneige qui chauffe d'habitude. Mais en tout cas, c'est drôle parce qu'il y a un peu le saut à Martin Gamache. Mais en tout cas, une chose de sûre, c'est au Rabaska. Il y a de l'air d'avoir du fun. Merci, Vapor Trail, Fred, Prinot. Alors, histoire de sentier, c'est toujours le fun. On découvre des gens extraordinaires. Il y a toujours des gens qui veulent faire des petites attaques à caméra. Puis il y a Max qui voulait faire tata. Allô, Max? Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Max Taberge. Ah ouais, t'aimes-tu ça, les quads puis la motoneige? Oui. Est-ce que t'as une motoneige, toi? Je sais pas. Tu sais pas? T'as-tu un quad? Un 4 roues? Je sais pas vraiment. J'ai un 4 roues, j'ai un 4 roues. Ken, je suis vraiment content. Honda est toujours un fier partenaire avec nous. Ouais. Puis là, j'ai su qu'il y avait un nouveau patron, c'est Miguel. Hein? Il est juste là. Ouais, je sais. Il aime pas la caméra. Je sais qu'il aime pas la caméra, Miguel, mais je vais aller quand même lui parler. Ah, ben voyons donc, quel hasard, si c'est pas le nouveau patron chez Honda. Bonjour, Miguel. Enchanté, mon cher. Ben oui, toi aussi. Toi écoute, aussi. On m'a dit que tu étais vraiment super à l'aise devant un Kodak. Oui, très, très. Je me suis dit, je vais venir vous dire très. Bonjour. Ma prochaine carrière, ça va être stand-up comic ici. ça s'en vient, c'est le premier. Hey, je voulais juste vous dire bonjour, puis c'est ça, on est bien content que vous soyez toujours avec nous autres, puis on est très fiers. Merci. Des machines Honda, fait qu'on vous aime. Moi, je vous apprécie. J'apprécie beaucoup l'effort que vous faites pour médiatiser un petit peu les événements et tout, fait que j'apprécie beaucoup. Merci. Ben, merci beaucoup, puis longue vie. Longue vie. À vous aussi, merci. Merci. À chaque année, il y a des nouveaux modèles qui sortent, le fun. Puis écoute, le Pro RMK, moi, je l'adore cette année. Il y a du orange dessus, il est super beau. Puis je me dis, tu sais, je comprends pas d'ailleurs comment se fait qu'à Histoire de sentier, on n'a pas un Polaris dans notre show qui roule. Ah, comment ça va? Ça va bien, comment ça s'appelle? Dominique? Yes, Dominique? Enchanté, Dominique, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Qu'est-ce qu'ils ont cette année pour RMK? Ils l'ont surtout pour finir. Ils ont amélioré les petits détails au niveau de la mécanique, ces choses-là, le nouveau moteur 2016, le nouveau 800. Au niveau de la géométrie, ils ont gardé la même géométrie. Ils ont sorti beaucoup plus d'accessoires pour que les gens puissent les personnaliser, comme vous pouvez voir, avec des options de couleurs énormément. Ça vient en option ou c'est tu peux choisir la couleur, genre? Oui, c'est ça, les gens peuvent choisir les options de couleurs. Ça, c'est des kits de collants qu'on peut voir sur nos deux modèles, avec les bumpers en couleurs que les gens peuvent choisir, les lisses en couleurs, ils peuvent choisir les sacs en option, des choses comme ça. Là, on parle d'un quoi? C'est 155 pouces de pont? 155 pouces, exactement, avec la 2,6 pouces de palette. Comme d'habitude, toujours des modèles extraordinaires, le fun. On a bien hâte de rouler avec ça, Histoire de sentier. Exactement. Bien, moi aussi, j'ai hâte que la neige arrive. On a vraiment hâte. Merci. Hey, bonne saison. Merci à toi. Le piton était enfoncé, c'est pour ça qu'il partait pas. Non, je le partirai pas. C'est dangereux.
Donc, Yves, écoute, tu es fier de cette belle réussite-là? Ah, pour une première, oui, effectivement. Oui, on peut être fier avec la quantité de gens qui sont ici là, depuis vendredi. Non, on est très heureux là, pour une première. Puis, pas juste moi, il n'y a pas juste le promoteur. Il faut que, je pense, nous, c'est la satisfaction des premières gens, des gens qui sont ici pour démontrer leurs produits. Eux autres sont extrêmement heureux. Puis, les gens qui sont ici, bien, ne sont pas ici pour 15 minutes. Ils sont ici pour 2 heures, 3 heures. On a parlé à des gens hier, puis ils disaient, hey, c'est 2h30, 3 heures faire le salon. Donc, écoute, on est très satisfait pour une première édition. Prêt? 1, 2, 3. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous autres. Oui. Ça va? Je sais que vous n'avez pas de démission. Ça vous sort? Oui. Tant mieux. Salut. Bon. Puis le salon, comment vous le trouvez? Oui, bien écoute, on vient d'arriver. Okay. On trouve ça fantastique. On voit beaucoup de publicité. On trouve qu'il y a beaucoup d'engouement cette année. C'est le fun? Oui, c'est le fun. Puis les ventes grouillent, ça veut dire que c'est bon. Ah, ça, c'est bien, ça. Puis c'est le fun d'accompagner son homme là-dedans. C'est super le fun, vraiment, là, ouais. C'est cool. C'est cool, hein? Évidemment, quand je viens ici, c'est toujours cool parce que là, je vais pouvoir voir la motoneige que je vais avoir cette année. Alors, cette année, j'aurais eu la chance de peut-être avoir un autre freeride comme celui-là. Mais j'ai décidé de changer de modèle, en fait, parce que je voulais essayer la nouvelle plateforme de Bombardier qui ont sorti. Mettre ça d'en avoir un de même? Peut-être avec le nouveau 850, là. Tu penses-tu que ça va donner plus de jus, genre? Oui, probablement. Il a l'air maniable, hein? Il a l'air très maniable, même que je me dis, il faudrait peut-être que... Parce qu'il est moins large que le freeride. Oui. Fait qu'en sentier, ça risque d'être plus difficile, ouais, mais en hors-piste, ça risque d'être malade. Oui, ça risque d'être vraiment méchant hors-piste. Ouais, puis mets-toi des scratchs. Oui, parce que sinon, ça chauffe, hein? Ça chauffe un peu, mais pas hors-piste. Non, non, ça, c'est sûr, quand t'as 3 pieds de neige, ça chauffe pas tout. Hakuna Matata. Il y a souvent des chansons qui commencent par Hakuna Matata, ho! Mais là, on va devoir Hakuna Tracks. C'est des gars extraordinaires, c'est des chenilles. Puis là, il faut essayer cette année des chenilles. Mathieu, oui. Écoute, parle-moi de ça, cette nouveauté-là, cette année. Qu'avant ça, on n'avait pas d'angle en avant. Ah. Donc là, on a créé une nouvelle angle de 38 degrés, une double traction. La grosse, là, c'est la Porsche du sentier. OK. Pourquoi? C'est qu'on ne coupe pas à vitesse. Ah. On respecte tous les critères du manufacturier parce qu'on est à l'aplomb au niveau du véhicule, donc pas d'effet porte-à-faux. Dans tous les véhicules, dans tous les modèles? Dans tous les véhicules, justement. Tu sais, les petits trous, là, c'est pas les vannes pour les freins. C'est vraiment tout établi pour toutes les marques et modèles. Donc, non seulement c'est une chenille qui reste fidèle, c'est la blonde, la rousse, la brune. Tout en même temps. Peu importe le CC, toujours la même chenille jusqu'au petit côte à côte. Ah ouais? Toujours la même chenille. Mathieu, cette année, nous serons là pour aller essayer ça avec vous autres. On va aller voir à quoi ça ressemble parce qu'on aime bien les bébelles. Fait que ça va être le fun, on va s'amuser. Effectivement, c'est un autre feeling. Tu vas voir, c'est vraiment un autre thrill. En plus, tu me dis que ça peut être comme 3 filles, 3 différentes. Ouais. C'est moins compliqué à gérer les numéros de téléphone, c'est ça? Et voilà, tout le même numéro, mon homme. Merci. Merci à toi. Good. Je me suis volé des gants, des semelles chauffantes, un pantalon. Maintenant, je pense qu'il faut que je me vole quelque chose de plus gros. Voler une chenille. Ni vu, ni connu. Mais ta langue va s'ouvrir. Bon, ça y est. Papa, il est pas prêt. C'est mon beau-père. C'est ton beau-père, oh mon Dieu! Un beau-père, ça fait plus de cadeaux, c'est ça? Oui. Alors, François, comment ça se passe chez Yamaha cette année? Ça va très, très bien. Notre Kia, c'est très occupé, très achalandé. Et on a... le moteur, pas nécessairement plus gros, mais ils ont ajouté un turbo à l'usine. Ils ont refabriqué un moteur de 3 cylindres de 998 cc. OK. Et ajouté un turbo qui est un fabricant européen qui s'appelle IHI. Qui est le même fournisseur pour Ferrari et Porsche, entre autres. Là, mettons, là, au niveau des ajouts, là, cette année, est-ce qu'on a chez Yamaha une machine de neige? On a-tu mis ce moteur-là dans une machine de neige?
Oui. Faire de la neige molle puis faire du hors-piste? Machine de sentier, machine de montagne, machine hybride. On peut le retrouver dans n'importe quelle. Il est déjà introduit dans les plusieurs plateformes. Okay, comme je t'ai dit, modèle de sentier, modèle court, modèle moyen. Donc, machine de montagne, machine de sentier, machine de hors-piste, machine hybride, un peu à toutes les sauces. C'est une gamme de modèles pour toutes les gens. Pour tout le monde trouve son compte. Bien, surtout ceux qui sont un peu plus exigeants en termes de performance. Ouais, nouveau moteur, c'est celui-là ici, 3 cylindres, c'est ça? C'est un 3 cylindres avec 4 valves par cylindre, 2 valves d'admission, 2 valves à l'échappement. On peut voir ici, ce sont des pistons forgés. Donc, on parle pièces internes de moteur très, très durable. Le moteur a été designé, a été fabriqué, conçu en partant sur la planche à dessin pour produire des forces de moteur. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que c'est une force de moteur linéaire. Alors, on ne sent pas que c'est qu'il travaille comme un turbo. Autrement dit, elle produit une force linéaire comme un moteur atmosphérique, mais elle a la force d'un turbo. Et c'est ce qui permet de mieux maîtriser le comportement du bolide en sentier ou en hors-piste. Il n'y aura pas cet effet de à-coup-là. Donc, tu sors de la courbe, tu accélères soudainement, la motoneige ne montre pas dans les airs pour... Donc, tu vas être capable de conserver le contrôle du bolide en tout temps. Je félicite toi et toute ton équipe qui a travaillé là-dessus, puis j'imagine qu'on se revoit l'an prochain pour une 2e édition. Ah, on va se revoir définitivement pour une 2e édition. Puis peut-être même une 3e. Oui, puis peut-être même une addition. Oui. Merci beaucoup, puis bravo, mon cher. Bye-bye, on se revoit. Bye. Bon, à chaque année, il y a du monde qui sont trop pressés pour regarder le show quand on fait le salon de motoneige et de quad. Bien, on vous a préparé une version condensée. Doum, pince sur le piton. On a vraiment travaillé avec des experts chez Saint-Clair Design qui nous ont fait vraiment un graphique et pas mal comme on le voulait. Et ensuite, on leur a laissé un peu le champ libre et la graphiste nous a fait une très belle job. Donc, on est des plus satisfaits du look général du véhicule, mais surtout d'avoir un véhicule qui est complètement différent. Ça fait déjà tourner beaucoup de têtes. C'est ça qui est le fun du customizing. C'est pas nécessairement disponible. C'est à vous d'imaginer le plus beau véhicule que vous aimeriez voir, dans quelle teinte de couleur, tout ça. Trouvez-vous un bon professionnel comme les gens de chez Saint-Clair Design et vous allez avoir un résultat final des plus impressionnants. On est très fiers, l'équipe d'Histoire de Sentier, d'avoir décidé d'y aller avec un véhicule usagé. On y a comme pratiquement donné une 2e vie. On s'est payé peut-être le luxe de changer notre système d'embrayage qui vient de compagnie pour mettre le nouveau système CVTEC. On a un véhicule qui est beaucoup plus allumé. On a moins le lag qu'on avait sur l'ancienne wet clutch, le système de clutch humide qu'on a à l'intérieur du véhicule. C'est un choix qu'on a fait de tout travailler ce système-là. Moi, je n'étais pas vraiment certain parce que je n'avais pas nécessairement les capacités de le faire, mais avec l'aide de mon chum Gaétan, ça s'est très bien fait et je suis très fier d'avoir décidé de prendre ce type de véhicule-là et surtout d'aller avec l'upgrade de la CVTEC. Après ça, évidemment, on est allé peut-être un petit peu trop loin. On est allé avec un système de suspension Stage 5 de chez Elka. Premièrement, pourquoi Elka? Je vais vous dire parce que c'est canadien. C'est des compagnies québécoises qui est faite ici à Boucherville. C'est vraiment des spécialistes dans les suspensions. Ils ont commencé ça il y a très longtemps. Un stage 3 de chez Elka aurait amplement fait l'affaire. Mais bon, on a le stage 5, puis ça va peut-être nous amener ailleurs pour le véhicule. Donc, on est, comme on dirait, blindé côté suspension. Évidemment, arrive la fameuse discussion des pneus. On a décidé d'aller avec les pneus, 4 pneus pareils du même format, enfin, en fait, même 5 pneus pareils du même format,
parce qu'on a décidé d'en avoir un comme pneu de rechange qu'on transporte avec nous au cas. On ne se le souhaite pas, mais ça peut toujours être pratique. Et j'ai toujours trouvé que le look des véhicules avec les pneus minces, donc ces quatre pneus qui auraient techniquement la grandeur des pneus d'en avant, et surtout pour la conduite l'hiver avec le pneu large en arrière, ça a tendance à beaucoup plus se promener parce que la roulière est un petit peu plus ronde que plate. Donc avec un pneu comme ça, on est vraiment très satisfait, très content, surtout du look, mais aussi de la performance de ce pneu-là. C'est un beau look, un beau pneu. Et pour les roues, on est allé très simple. Moi, je trouvais que déjà que les roues de CF Moto étaient déjà très belles. Donc, on a pris deux autres roues avant qu'on a monté les pneus dessus. Donc, on a pris un pneu qui est un petit peu plus gros. En fait, le pneu, il est un pouce plus gros de diamètre. D'origine, on avait un pneu 27 par 8. Et là, on est allé avec un pneu 28 par 9. Donc, on a vraiment la même traction, la même largeur en avant et en arrière. Très, très satisfait. Évidemment, il y a des petits détails qu'on oublie quand même rapidement. On a rajouté des choses comme les miroirs sismiques. On en a rajouté trois. On a enlevé le miroir d'origine qui était peut-être moins adapté. On a mis des miroirs sismiques un petit peu plus haut. Pour, encore là, pour aller avec une inspiration plus de type de course. En plus de ça, on s'est rajouté d'autres poignées pour des prises en main lorsqu'on est assis dans le véhicule ou pour entrer et débarquer. Au final, on est vraiment satisfait du look complet de notre véhicule. C'est un véhicule qui a un look vraiment particulier. Faut pas oublier qu'on est parti à la base avec un véhicule qui avait 9000 km, qui avait vu beaucoup de branches, de graphing, de coins de plastique qui étaient vraiment endommagés. Là, on a un véhicule de 9500-600 km et il y a un look vraiment flambant neuf. On est très content de ça. Et je vous le dis, là, c'est pas la dernière fois que vous allez le voir, ce véhicule-là. On a déjà des tournages de prévus dans la neige très bientôt. Sur ses roues et peut-être même un petit peu plus tard dans la saison, on va faire un autre tournage. On n'aura plus les roues. Ça va peut-être plus être des chenilles. Ça risque d'être très intéressant. Continuez à suivre nos aventures et on se revoit la semaine prochaine pour le début de nos sorties en motoneige. Et je pense qu'on a encore des très belles choses à vous présenter. Participez au grand concours, profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection AirMedic à vie. Pour participer, visitez le rds.ca/HDS. Histoire de sentier vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Morin Sport. Et par Skidoo BRP.